Salut à toutes et à tous, juste avant que cette vidéo ne commence, j'ai eu un petit souci durant le montage et vu que j'ai plus les fichiers sources, je ne peux rien faire donc j'espère que ça ne vous ennuiera pas trop, mais j'ai dû faire quelques petites coupes durant la vidéo. Donc voilà, je vous remercie et bonne vidéo à toutes et à tous, salut à tous, ciao bye bye. Salut à toutes et à tous, c'est Higen et bienvenue pour cette 14e vidéo sur l'Higen Test. Et bienvenue pour ce 14e Higen Test plutôt. J'aurais mieux fait de commencer par là. Et aujourd'hui, phénomène, c'est l'une des familles préférées de tout le monde en fait. C'est l'une des familles préférées des Américains, des Français, des Chinois, des Algériens, des Cambodgiens, des... Bon voilà, on va pas faire tous les pays du monde. Et donc aujourd'hui, Simpson, les Simpson Hit and Run. Alors moi ça a bercé mon enfance, hein, pas mal de... Les Simpson ça a bercé mon enfance. Les Simpson Horror Show, voilà, tous les Simpson. Et du coup, donc les Simpson Hit and Run, c'est édité et développé par Radical Entertainment et Sierra. Sorti en France le 21 novembre 2003, c'est un genre d'action-course, mais je vous expliquerai un petit peu après. Et le thème, c'est animation, comique, série télé, et c'est classé pour les plus de 7 ans, ce qui est complètement normal. Donc du coup, on va rester comme ça, manette, tout ça, on s'en fout. J'ai tout calculé, c'est peut-être le... c'est peut-être le son. Alors là, je vous rappelle que je joue avec une manette hein, pour que ce soit plus joli. Ah, peut-être comme ça, voilà, déjà. Sans doute avoir un petit problème avec les droits d'auteur, mais on va directement, directement aller dans le bain, plutôt. Et je vous laisse avec la cinématique. Et celui-là ne peut contaminer qui que ce soit. Qu'on sache. Le cola nouveau et amélioré est fait avec les sucres et les eaux les plus raffinés. En plus, il y a un ingrédient trop épineux pour le ministère de la Santé qui te donnera la pêche pour faire tous les trucs pathétiques que tu dois faire. Et c'est le cola nouveau et amélioré. Du cola. Il faut que j'aie du cola. Bon, du coup, ah bah oui, j'avais oublié, Itchy et Scratchy, hein, voilà, c'est l'une des raisons principales pourquoi je regarde les Simpsons aussi, hein, faut arrêter de se le cacher. KO concours de Hot Dog, voilà, disqualifié pour avoir vomi, voilà, c'est ridiculement trop bien. Et voilà, donc, je vais parler à Marge, pardon. Excuse-moi Marge, je voulais pas te frapper. Action, c'est quoi action? C'est ça? Non, action, c'est ça, peut-être. Non, ça c'est sauter sur marge. Action, qu'est-ce que c'est action? Un garçon plus âgé, mais pardon. Peut-être ça. Non, c'est ça? Attendez, j'ai un petit problème avec les commandes. Je m'en étais sûr, de toute façon, que ça allait bugger aujourd'hui. J'en étais sûr. Option de jeu, voilà. J'étais sûr, je suis désolé. Nanana, sauter, sprinter, action, bouton 4. D'accord, merci, ça m'aide pas. C'est Y? Non. Oh, ah, d'accord, ok. Quelqu'un a mangé tous les desserts qui étaient à la maison. J'ai besoin que tu ailles au magasin acheter de la glace avec des tartes miniatures à l'intérieur. C'est sûrement dû à un homme, probablement Milouz. Voilà, hop. Du gâteau. Entrez dans votre véhicule et donc voici Springfield. Voici
Springfield. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, merci, j'avais compris. Voilà. Et donc, voilà, j'ai oublié de vous le dire. J'ai oublié de vous le dire, mais sauf que j'ai peut-être oublié de vous le dire, oui. C'est un... Oui, mais tu vas peut-être... Oui, non. Tu vas peut-être sortir de là ? Oui, mais comment on accélère ? C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi, ce jeu. Ce jeu... C'est n'importe quoi. Bon, on va faire ça à la bonne vieille époque, voilà. Et donc, c'est un GTA-like. Sorti en 2003, donc GTA avait déjà commencé à faire parler de lui. Alors, il y a énormément de références dans ce jeu. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a une très bonne cote. Attendez, je vérifie juste combien il avait été noté par jeuxvideo.com. Il avait été noté pourtant que 10... Il avait été noté que 12 sur 20 par l'équipe de jeuxvideo.com. J'ai pas trouvé ça terrible. Je dois le reconnaître. J'ai pas trouvé ça vraiment, vraiment terrible. Pour un jeu comme ça en plus. Donc, oui, 12 sur 20, c'est pas. Voilà. Et par contre, vous. Oui, merci. Vous l'avez. Entre guillemets, les gens. Les vrais gens, disons. Entre guillemets, sur jeuxvideo.com, toujours. Eh ben, toujours, 16 sur 20. Ce qui est. Voilà, ce qui est vraiment mon ressenti. Moi, je me rapproche de cette note-là. Je vous dirai à la fin combien moi je lui ai donné, même si c'est une note fictive. Je vous le rappelle, hein. Attendez, voilà. Juste un petit clin d'œil. Des petits pois congelés, on ralentit en métabolisme. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Voilà. Et maintenant, c'est parti. Eh, hey, Apu, donne-moi un cola et un autre pot de glace avec des mini-tartes dedans. Qu'est-il arrivé à la glace avec les mini-tartes que votre femme a achetées ce matin? Oh, je l'ai sûrement mangé, j'ai pas une très bonne mémoire. Mais je rêve. Félicitations, Homer, mission réussie. Retourne à la maison et parle à maman pour commencer ta mission suivante. Eh ben voilà. Donc on a énormément de choses à faire. Il y a, voilà, la durée de vie est énormissime. Oui, pardon. Voilà, donc vous pouvez voir, voilà, vous pouvez voir énormément de clins d'œil à la série, vraiment, vraiment. Et voilà, donc en tout cas, moi c'est l'un de mes préférés. Il y a eu l'autre aussi avec la, j'ai oublié d'ailleurs, c'est les Simpsons le jeu, sur lequel j'avais carrément trippé ma maman. Et du coup, bah voilà, on va continuer un petit peu. Bon, il y a certains tout petit problème de caméra, mais tout petit, j'en ai vraiment pas eu beaucoup durant le jeu. Voilà, je tenais juste à vous le rappeler et vous le signaler pour ceux qui seraient tentés par le jeu. Hein. C'est vrai que pour un jeu de 2003, il est vraiment vraiment beau. Donc on peut respecter. Hein. Voilà, c'est un GTA-like. Hein. Voilà, donc franchement, il est vraiment 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 beau. On dirait vraiment qu'on est en train de jouer On est vraiment, on est vraiment dans le style de la série, dans le style graphique de la série. Je parle la bande son, c'est bande son de la série. Par contre, ce que j'ai trouvé vraiment 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 cool, c'est que même si Homer dit des conneries, il ne dit pas que des conneries. Et en plus, voilà, c'est la doublure française de beaucoup de personnages. Et donc, bien sûr, il y a pratiquement toutes les doublures françaises. Sans son projet de science, voilà. Tu peux le lui apporter ? Il le faut vraiment ? Tu peux le déposer en allant à ton boulot ? Et je dois aussi aller bosser ? Ah mon dieu, arriver à l'école avant le principal Skinner. Alors ça, par contre, j'ai adoré. C'est l'heure de se cracher. J'ai adoré les petits concours comme ça de vitesse. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais... Voilà, bon. Oui, aussi, tu peux faire ça. Du coup, en fait, la durée de vie est... En fait, elle est longue selon vous. J'étais en train de parler de la durée de vie. Prends ça. La durée de vie peut être longue, ça dépend en fait de comment vous allez jouer. Moi personnellement, je sais que... Oh, merde,
Moi je sais que je regarde absolument tout, donc du coup la durée de vie est immense si vous voulez tout voir. Les gags, les bonus, les secrets cachés dans tout le jeu. Sinon pour un joueur lambda qui regarde absolument pas tout et qui s'en fout totalement de tout, ce jeu va être très très court parce qu'il n'y a que 7 niveaux. Des vrais niveaux, hein, je parle, et 50 missions voilà, dedans. Donc c'est assez pauvre. Merci d'apporter ma maquette du système digestif. Hé, où est passée la vésicule biliaire? J'avais faim, et c'était une figue. C'était de la pâte à modeler. Au fait, pas, Maman a appelé. Elle a dit qu'elle devait te parler à la maison avant que t'ailles au boulot. Je suis le roi du monde. Bon, ça c'est fait. Et donc je vais essayer de vous montrer un petit peu plus de choses avant de quitter cette vidéo, parce que ça fait quand même 12 minutes pratiquement là. Donc il fallait juste que je vous dise que même si c'est une licence, cette licence a été achetée, ça se voit tout de suite. Ils n'ont pas eu la licence pour Duff. Parce que Duff n'était pas encore une boisson alcoolisée comme on peut la voir maintenant même sur W9, hein, pour ceux qui regarderaient la série sur la télé à l'heure actuelle. Vous avez pu voir que la Duff a été censurée, que le logo plutôt de la marque Duff a été censuré. Et voilà, parce que c'est devenu une boisson alcoolisée et qui a été vendue, c'est devenu une marque, une vraie marque. Donc désolé, petite interruption musicale avec notre magnifique téléphone. Et donc du coup, voilà, je sais absolument plus ce que j'étais en train de dire, je suis vraiment désolé. Oui, donc Duff, c'est une marque déposée maintenant, voilà, donc interdiction de la montrer dans une série télévisée. Et donc voilà, dans le jeu, à ce qui paraît, de ce qu'on peut voir, il n'y a absolument pas. Je vais peut-être être un bon Homer quand même. Voilà, ouais. Vas-y, casse tout. Du coup, voilà, on n'a pas eu la licence d'œuf. Bon, ça rajoute rien, mais ça enlève quand même peut-être l'univers des Simpsons, peut-être. Voilà. Ici Kent Brockman, en direct pour l'œil. Homer, va parler à Ned Flanders. Il a l'air fâché. Pourquoi moi? Je suis le meilleur voisin du monde. J'ai même une tasse pour le prouver. Sauf que tu l'as piqué à qui, cette tasse? Mais c'est pas possible. Mais bon, c'est pas possible. Bon, voilà. En tout cas, c'est assez regrettable pour certains trucs. Côté scénario, bon, bah, voilà. Des aliens envahissent la Terre... pas des aliens, plutôt des petites abeilles robotiques, on ne sait pas pourquoi, et voilà, donc on essaie de chercher tout au long du truc, et... Hey, je suis là, c'est pas mal, mais bon, tellement de choses pas de quoi péter. Disparu, que j'ai appelé la police pour qu'ils trouvent le coupable. Coupable, hein? Ma tondeuse, ma glacière, mon transat, un portrait de famille, même l'inhalateur de Rod. Quel genre de malade peut bien voler ça? Oh non, j'ai emprunté tous les objets de Flanders. Vite, il faut trouver une excuse pour filer d'ici. Je suis désolé, je dois aller grainer du maïs. Trouver les 6 objets perdus de net avant la fin du temps à imparti. Oh là, j'ai du mal à parler. Et ouais, donc il y a eu, voilà, si je devais résumer un peu les problèmes que j'ai eu sur le jeu, à pied, c'est vraiment, voilà, il y a eu un peu plus de disparité, là, jouer avec la manette, donc du coup, voilà, sauf quand je suis en bagnole, parce que, je sais pas, j'arrive pas à accélérer là-dessus. Mais par contre, en voiture, mais quel pied, oula, ouais, quel pied de... Pardon, excuse-moi, quel pied de conduire en voiture, hein, GTA, voilà... Faut peut-être leur montrer ce jeu et qu'ils comprennent à quel point les jeux de bagnole traditionnels, Need for Speed, tout ça, voilà,
n'ont rien inventé et que voilà, les Simpsons par exemple. Je dois trouver d'autres. Les Simpsons, bah voilà, on la code pour ça. Hein. Je suis désolé, mais c'est voilà, ça parle de lui-même là. La maniabilité en voiture, elle est juste exceptionnelle, c'est tout. Voilà. Je sais absolument pas où faut que j'aille maintenant. Il y a plus rien. Je suis sûr, je suis perdu. Je fais n'importe quoi. Voilà, génial. La conduite irresponsable, c'est ma bête noire. Génial, génial. Donc voilà, on peut absolument aller où on veut. Hein. Bon, je crois que je me suis trompé. Voilà, c'est l'occasion pour moi de vous montrer les envers du décor. Hein, de voilà. C'est génial. C'est l'occasion pour moi de vous montrer pas mal de trucs. Et de vous montrer l'autre côté de Springfield. Et voilà, et puis il y avait aussi le quartier riche avec, avec Krusty. Et voilà. Donc c'est assez voilà, le jeu est quand même pas mal jouissif. Moi, je me suis éclaté à le faire lorsque j'étais gosse. Et puis l'envie de le refaire maintenant n'a pas disparu en fait. Le côté graphisme de 2003, je surkiffe ça. Je suis désolé, c'est vraiment, vraiment super beau. Voilà, je suis vraiment... Et quoi après ? La glacière de Flanders ? Ah, fallait juste que je parle à Barney ? On y va ! Merde, ok. Du coup, voilà. Que vous dire de plus ? Voilà, maintenant, vous savez que les Higgins Test, maintenant, sont là pour... sont là pour... Voilà, maintenant, je reprends la manette. Sont là pour... Sur là pour me montrer. Que je t'ai offert pour ton anniversaire, Flanders veut que je la lui rende. Qu'est-ce que je vais utiliser comme toilette? Oh, c'est dégueulasse. Voilà, donc vous savez maintenant que les Higgins sont faits pour... Bah, vous montrer à quel jeu je jouais... voilà, à quel jeu je jouais ou je joue. Non, mais ça va pas, que j'ai surkiffé, que je surkiffe encore aujourd'hui. Voilà, je suis désolé, mais... Presque fini. Maintenant, il me faut la photo minable de Flanders avec sa famille. Voilà, les jeux comme ça, je suis désolé, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Puis on fera peut-être intervenir le chef Wiggum pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'il advient. Maintenant, le dernier. Où j'ai bien pu mettre l'immonde inhalateur de Rod? Mais oui, sur le capot d'un camion d'œuf. Ah bah tiens. Ils ont pas eu la licence. Ok, alors la prochaine fois que j'ouvre ma bouche, eh ben vous m'engueulerez. Bien sûr que... Ça serait quoi ? Bien sûr que... Rapporter ce truc avant que la police ne me trouve ici. Bien sûr qu'ils avaient la licence, je suis désolé, mais voilà, je suis... C'est parti. Pourquoi j'ai dit ça ? Je suis désolé. Voilà, alors là, bon, toutes les autres informations sont correctes, mis à part la version d'œuf, j'ai pas compris pourquoi. Je pensais réellement, parce que j'avais vu en début de vidéo le cola, le nouveau cola. Et donc j'ai pensé qu'ils avaient changé la marque. Voilà, je suis vraiment vraiment désolé. Si à vrai dire c'était juste ça, voilà. Mais voilà, c'est juste ça. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La licence d'œuf est là. La licence d'œuf est là. Maintenant, à propos de la récompense, merci, super voisin. Voilà ta récompense. Une prière du fan numéro 1 du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, bénis ce noble balourd. Stupide Flanders, il trouve son bonheur dans la religion. Tout le monde est nul, sauf moi. Voilà, voilà. Bon. Voilà, donc voilà, maintenant vous avez compris. À quel point ce jeu est bien, à quel point ce jeu est
pas mal. Il y a certaines phases répétitives, mais voilà, donc il n'y a pas non plus énormément de problèmes. Mais bon, il y a quand même pas mal de problèmes de caméra. Oh merde, t'es en retard pour le boulot. Et aujourd'hui, c'est le jour de ton évaluation avec Monsieur Smithers. Ah, il va trouver ma ferme de scorpions. Et après, ils vivront où, mes scorpions? Une seule personne peut m'aider, Lenny. Attendez, je vais juste voir un truc. C'est génial. Bon. Eh ben voilà, on va aller directement aller dans le bureau d'Homer. Et puis on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là et puis voilà, donc moi personnellement je lui mettrais la note de 15. Et 15 pourquoi? Parce que la patte graphique ressemblant pas loin ou presque aux Simpsons, à la série Les Simpsons. Je suis désolé mais ça c'est vraiment une voilà. On dirait réellement que là je suis en train de regarder un épisode, hein. Limite. Pourquoi est-ce que j'ai mis 15? Pardon. Excusez-moi de la mauvaise manip. Pourquoi j'ai mis 15? Parce que la bande son, la maniabilité avec la manette. Hé hey, Homer, un churro pour ton petit-déj? Pas le temps, dis-moi où est Monsieur Smithers. Je crois que je l'ai vu au Quickie Mart. Cool. Plus de churro pour Lenny. Il va me falloir une bagnole avec plus de camelotes dans le coffre si j'ai le sort. Je me demande si Barney a toujours sa charrue. Et il faut 500 pièces. On est à combien? Juste pour savoir, pour ça me donnera une idée si j'arrête la vidéo ou pas. 150 pièces. Non, on va peut-être arrêter. Et donc, pourquoi 15? La bande son. La bande son est sublime. Je vais peut-être trouver un autre endroit pour. Je vous avais dit que je vous emmenais. Pardon. Je vous avais dit que je vous emmenais voir le bureau d'Homer. Je vais peut-être le faire. Pardon, excusez-moi. Je voulais pas vous écraser, madame. Non, mais attendez. Qu'est-ce que j'ai vu là? Le quartier des pauvres. C'est ma blondine. Je suis vraiment désolé. C'est pas le quartier des pauvres, c'est plutôt le quartier des... Du coup, voilà, il y a... Pourquoi 15? Il y a vraiment pas mal de choses. Il y a beaucoup de clins d'œil. Et moi, les clins d'œil, vous savez à quel point je surkiffe ça. Vraiment. Je surkiffe ça, je suis désolé, c'est vraiment, 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 vraiment classe. Les clins d'œil à toute la série, toute saison confondue. Celle-là, par exemple. C'est pas un clin d'œil, ça, peut-être? Voilà, c'est tout. Et si je suis sûr si j'appuie sur le truc, parce que j'ai oublié, hein, ça fait pas mal de temps. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Clin d'œil. Clin d'œil magistral. Voilà. Et du coup, le bureau de Homer. Bah oui, parce que Homer, quand même. Dommage que j'ai pas un chien avec une selle. Il fait que des conneries. Eh bien, d'accord, c'est pas le bureau. Non, c'est pas du tout. Ah si, c'est le bureau de Homer, si. Si, regardez. Des scorpions. Et n'importe quoi là-bas. On va peut-être pas se finir quand même sur le... Bah pas un univers, hein, parce que quand même, si vous ne connaissez pas les Simpsons... Je suis une bête de vitesse impitoyable. Bah voilà, fallait peut-être commencer un tout petit peu avant. C'est la faute de la société. Parce que les Simpsons, ça, voilà, c'est devenu maintenant... Voilà, même juste le clin d'œil avec les d'œufs dans le coffre. Voilà. Voilà, juste ça. C'est juste magique, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si vous voulez aimer cette vidéo, commentez-la.
En tout cas, ça me fait vraiment très 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 plaisir de vous faire toutes ces vidéos comme ça, voilà. Toutes ces vidéos de découvertes, de tests. Là, en l'occurrence, c'était pas une découverte, c'est plutôt un test. Une découverte pour vous, peut-être, je l'espère, d'un jeu qui m'a bercé, qui a bercé mon enfance, qui a bercé beaucoup de monde. Là, on peut voir les petits Papa Noël. C'est voilà, boule de neige aussi. Non, boule de neige, pas petit. Non, pas petit Papa Noël, boule de neige. On retourne à Evergreen Terrace et on va s'arrêter devant la maison familiale. Et ce sera la jouissance extrême de l'absolu. Voilà. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Voilà, pouce vert, pouce bleu, pouce tout ce que vous voulez. En tout cas, moi. J'ai kiffé vous avoir fait cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé à la regarder. Voilà, j'ai pas énormément parlé, je vous ai un petit peu fait découvrir un tout petit peu l'environnement. Je vous ai pas montré le sport, j'allais dire. Je vous ai pas montré le port, ni le casino, voilà, toutes les phases de l'autre côté de l'autre côté de la population là-bas. Voilà. J'avais encore pas mal de choses à vous dire, mais bon, un petit peu de suspense pour vous si vous ne connaissez pas les Simpsons. Je vous ai pas trop spoilé, là, je vous ai rien spoilé du tout. Voilà, en tout cas, si vous aimez, eh ben, tentez-le. Voilà, je suis sûr, vous pouvez le trouver en occasion, même le télécharger gratuitement et légalement, bien sûr. Hein, débrouillez-vous. Mais en tout cas, voilà, je vous aurais au moins montré ça. Et je suis ravi de vous l'avoir fait. Voilà. Merci de vous regarder cette vidéo. Et à plus tout le monde. Ciao, bye bye. Ouh, pinaise. Je voulais vous la faire, mais c'était vraiment nul.